On continue cette émission avec Martial Bellon, le président de la SIG. On vient de voir des extraits de ce match contre Poitiers. Président, soulagé, parce que là, c'est quand même vraiment pas passé loin. Soulagé, bien sûr. Tout d'abord, je voudrais présenter mes meilleurs voeux à tous les téléspectateurs d'Alsace 20, qui, si j'en crois les informations qui me sont communiquées, sont toujours de plus en plus nombreux. Tout c'est exact. Merci pour eux. Oui, soulagé après ce match qui, normalement, n'était pas attendu, ce déroulement n'était pas attendu de cette manière-là. C'est le genre de match qu'il ne faut pas perdre, quoi. On ne retient que la victoire. Il y a quand même beaucoup de joueurs d'expérience, justement. On a un petit peu la sensation qu'elle a un gros potentiel, qu'elle n'a jamais vraiment démarré sa saison, qu'il y a un bon match et puis que derrière, on en a du mal à enchaîner. C'est un peu votre sentiment? Il y a un potentiel qui n'est pas encore complètement exploité? Oui, c'est vrai, il y a un potentiel qui ne s'est pas encore complètement exprimé. Bon, c'est vrai, il faut rappeler aussi que le début de la saison était difficile, hein, comme vous le savez, que cette équipe est au complet depuis un peu plus d'un mois maintenant. Mais elle aurait dû exprimer son potentiel depuis un petit moment. Hein. Il y a du retard à l'allumage. On est quand même effectivement presque, encore presque à mi-saison. C'est paradoxalement vecteur d'espoir, parce qu'on se dit, bah, quand on a du potentiel, c'est qu'on peut monter encore plus haut malgré tout. Vous savez, ce championnat est extrêmement serré. Hein. Je viens d'apprendre que Nancy avait gagné à Limoges d'un point après prolongation cet après-midi. Ça aurait plutôt aussi bien être dans l'autre sens, hein, et ça aurait été là aussi une surprise. Il est difficile de faire des plans sur la comète. Hein. On se fixe des objectifs, on se bat pour les atteindre, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de logique dans ce championnat cette année. C'est effectivement un championnat très très homogène. Pour finir sur une parenthèse hors basket, mais pas très éloigné. Vous étiez a priori à présent de transition, puisque la ville, les villes de Strasbourg et d'Ilkirch, qui sont les actionnaires majoritaires du club, avaient reporté la vente. Elles ont annoncé en toute fin d'année dernière que ce bail serait éventuellement prolongé, en attendant de trouver des investisseurs capables de prendre le relais. Vous êtes parti pour durer? Ça durera pas des siècles, hein, rassurez-vous. L'objet, en fait, est de préparer de manière plus progressive qu'annoncée au départ la privatisation, en faisant rentrer dans le capital dans les prochaines semaines, d'une part des supporters. Ça, c'est une nouveauté. C'est vraiment, il y a un potentiel selon vous pour ouvrir une participation du capital du club au public? J'ai pas la réponse. On verra sur le fait. Le sentiment que nous avons, c'est que le fait de posséder une partie du club pour les supporters, mais aussi pour les Strasbourgeois, ça a du sens. Il nous semble que, alors, sans vouloir aller sur le modèle des sociaux en Espagne dans le football, il nous semble qu'on pourrait faire œuvre d'innovation dans ce domaine. Donc on va travailler avec les services de la ville sur les modalités juridiques pour que les supporters puissent participer au capital. Et ensuite, une série d'acteurs, c'est-à-dire c'est les membres du directoire et les membres des commissions, environ 25 personnes, tous dirigeants d'entreprise, intégreront le capital dans le cadre d'une augmentation de capital. C'est une première étape avant d'aller à la privatisation. Et bien on suivra ce grand chantier pour la SIG certainement tout au courant de cette année 2011.